Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Aro Histoire. Donc je viens de me rendre compte, en gros j'ai tourné une session de 1 heure. Et comme un con, j'avais oublié d'ouvrir mon Fraps. Donc je ne vais pas recommencer tout du début. Donc je vais vous faire un bref résumé de ce qui s'est passé. Donc j'en suis pas loin, hein. J'ai juste débloqué mon premier pouvoir. Donc je suis dans une grotte qui en fait est ouverte dans les catacombes. Où mon maître en quelque sorte, donc il s'appelle c'est le gros balourd là, le gros balèze avec son épée sur au côté, Walder je crois qu'il s'appelle, qui m'a emmené dedans pour que je reçoive l'héritage de mon père qui était le dernier héros de Aldion ou un truc comme ça, c'est le nom du monde. Donc avec moi j'ai Jasper qui est mon majordome un peu chiant. Lui c'est autrement il y a mon maître et il y a mon chien. Voilà. Donc là on est actuellement dans les cryptes. Donc ça c'est mon héros, il s'appelle Aro Histoire. J'imagine que voilà. J'imagine que vous le saviez déjà. Donc je suis parti du château qui est gouverné par le frère de mon personnage. Et qui est un tyran. Alors, et qui est vraiment un tyran. Donc là, avec le coup de gauche, je lance une attaque normale. Et non, c'est pas bon. Super. Voilà, c'est impressionnant, monsieur. Donc voilà, et il m'a demandé de choisir. Il y avait en fait une révolte. Et me voilà maintenant face à des chauves-souris. Ils m'ont demandé de choisir. Il m'a demandé de choisir entre un groupe de personnes et si j'ai bien compris, la copie de mon personnage. Pour savoir lequel j'exécutais. Et j'ai choisi, donc comme j'avais le choix, j'ai choisi d'exécuter le groupe de manifestants. J'étais vraiment en colère et j'ai été boudé dans ma chambre. Et mon maître est venu chercher pour partir du château. Voilà, et donc je peux lancer des attaques. Ouah, mais quel puanteur. Ouais, retourne chez toi. Alors, voilà, donc là, dans les égouts. Sûrement. Donc j'ai également un chien qui m'accompagne. On devrait pouvoir s'échapper de des fois, ça ressemble à Sims. Parce qu'on peut embrasser les filles, on peut les tenir par la main, on peut leur faire des câlins. Voilà. On dirait que c'est un cul-de-sac. Pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Zone environnementale. Je suis presque sûr que c'est une porte de culisse, une sorte de système voilà. De transport magique. Donc là on se balade. Voilà. Transport du système magique. Machin truc. Qu'est-ce qu'il a? Mais où sommes-nous? Tu vois, ça doit être... Oui, c'est le sanctuaire de ton père. Il en parlait, mais je n'aurais jamais imaginé que cet endroit était réel. Oh, j'arrive pas à le croire. Jasper, ce livre contient une note avec ton nom dessus, regarde. Impossible! Pour Jasper? Bon, je vous l'accorde, c'est possible, mais c'est une coïncidence. Oh, ne sois pas stupide. L'ancien roi doit l'avoir laissé là pour toi. Quel est son titre? Le livre des héros. C'est incroyable. Ça dit comment sortir d'ici? C'est vraiment remarquable. Tout ce que nous voudrions savoir sur les héros et cet endroit est couché noir sur blanc. C'est fou. Ouais, si tu le dis. Donc voilà, et donc là je m'enfuis, donc il y a eu une démonstration. Cette carte est une sorte de mécanisme de téléportation. Choisissez simplement où vous voulez aller, c'est on ne peut plus simple. Fantastique. Bien, utilisons-la. Ah ouais, c'est une espèce. Nous aurons tout le temps d'explorer cet endroit. C'est comme le système des cheminées dans Harry Potter. Mais pour l'instant, nous avons une mission plus importante qui nous attend. Je le dis, je ne sais même pas par où commencer. Notre première étape sera les montagnes de Mistpeak. Il y a là-bas des gens qui seraient d'excellents alliés. Ils ne feront pas facilement acte d'allégeance, mais ils méprisent Logan. Et s'il y a une personne qui peut les convaincre,
c'est bien un héros. Donc on va par quelle porte? Très bien. Je vais rester ici pour découvrir les secrets de ce sanctuaire. Nul doute que ces lieux nous seront d'une grande utilité. Bien, très bien. Trouve Miss Peak sur la carte et voyons si ce livre nous dit la vérité. Alors voilà. Bon, ici vous avez le camp des gitans de Mist Peak. Choisissez-le comme destination et vous y serez transporté. Comme ça. Donc voyage rapide. Voilà. Donc c'est principalement des commandes au clavier. Donc c'est Z pour avancer, Q pour aller à gauche, D droite, S pour reculer. Après quand il vous propose des choix, c'est 1 et 2. Attaquer. Attaque basique, c'est clic gauche. Attaque de zone, c'est clic droit. Maintenu. Bravo. Bon, voilà. Je me souvenais plus à quel point il faisait froid ici. Et regarde, allez. On peut siffler et on peut jouer à Les gens d'ici se sont eux-mêmes baptisés les gitans. Ils sont forts, ils sont loyaux. Bon, on y va. Et comme je te l'ai déjà dit, ils détestent ton frère. Eh oui. Ça ne saute peut-être pas aux yeux, mais c'est ici que commence la révolution. Voilà ce à quoi Logan les a réduits. Il a pris le contrôle de ces montagnes et a commencé à détruire les forêts. Je savais qu'ils avaient du mal à trouver à manger, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point-là. Je vous échange ma poupée contre de la nourriture. Elle est gentille. Son nom, c'est Sadie. Je le tiens par la main. Ouh, ça devient vigoureux. Ah non, c'est une fille. Pardon. Lol. Je t'ai lâché la main. Oh. Lâche-moi. Merci. Comme vous voulez. L'homme qu'il faut convaincre est Savin. C'est un vieux pédant, mais c'est un homme juste et un bon leader. Il ne fera pas facilement acte d'allégeance, surtout à un prince. Il vaudrait peut-être mieux que je lui parle d'abord, seul à seul. Tu devrais peut-être essayer de trouver de nouveaux vêtements pendant que je parle à Savin. Okay. Quelque chose de légèrement moins royal. On n'a pas besoin de se faire remarquer. Je n'ai qu'un peu d'or, mais ça devrait être suffisant. Et tu peux peut-être offrir le reste au peuple. Il en a plus besoin que nous. Où est-ce qu'il y a des vêtements? Oh, ne t'inquiète pas. Tu trouveras bien quelqu'un qui voudra prendre ton argent. Allez, souhaite-moi bonne chance. Je me sens si faible. Je vous en prie, on meurt de faim. Vous avez à manger? N'importe quoi, hein. Je crève de faim, au sens propre du terme. Oh. Oh. Je ne peux pas dormir la nuit tellement j'ai faim. Oh. Oh. Merci. Je vous en prie, on meurt de faim. Dans ma vie voilà. D'habitude, alors. Donc pour la, il n'y a pas vraiment de carte de map de GPS. Donc en fait c'est une espèce de. Ouais. Bonjour, c'est si bon de vous avoir ici. Je vous en prie, jetez un œil. Regardez bien. Quand est-ce que ce calvaire va se terminer? Hop, donc on va te parler à toi. Si on ne trouve pas de nourriture bientôt, ce sera terminé. Hein? Ah. Oh, check, mec. Donc... Excellent. Hop. J'aimerais t'acheter les fringues, toi. Comment on fait pour acheter? Bonjour, bonjour. Je suis sûr que j'ai ce que vous cherchez. Ah, oh, tous les vêtements. Voilà. Personne ne m'avait rien acheté depuis des siècles. Bonjour, monsieur. Ici Jasper. Allô? Est-ce que oh, vous... j'ai même le bout, comment, le Bluetooth. Comment utilise-t-on ce... Je vous parle au moyen du sceau de la guilde. C'est un appareil extraordinaire. Ça s'appelle un téléphone, mec. Tant que vous avez le sceau, nous pouvons communiquer librement. En outre, vous pouvez revenir au sanctuaire chaque fois que vous jugez bon de le faire. Puis-je vous suggérer de revenir tout de suite pour essayer votre nouveau costume? Vous venez d'où, vous, d'abord? Bah écoute, Pierre, ça va être pas possible, je suis en train de réconforter des gens. Tu veux jouer à rapporter, ou
ou tu ne penses qu'à chercher? On peut pas chasser à cause du roi. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Ah, c'est ce que je voulais. Bah, j'espère bien. Pas tous les jours qu'on va te donner de l'argent, Pépère. On n'a pas besoin de grand-chose. Juste de quoi survivre. D'argent. Comme nous tous. Voilà. Aidez-nous. Merci. Et toi, t'es l'heureux élu, je vais te donner toute la faim. Vous croyez que ça va à un plan pour nous sortir de ce pétrin? Si jamais je mets la main sur... Vous venez de la ville? De Bowerstone, c'est ça? Alors vous devez bien avoir à manger. Plus. Je lui tords le cou. Vous croyez que ça va à un plan pour nous sortir de ce pétrin? Si jamais c'est je formidable. Mets la main sur ce logan. Merci. Je lui tords le cou. Ouais, je me sens si faible.